La preuve là sur magazine financier investi, où je vais pour nous chaque samedi à fonte de 4h, que nous reprenons le dimanche matin sur Radio Métropole et d'autres stations de radio à travers le pays, telles que Radio Makaya, La Brise FM, RG80, du côté du Nord-Ouest. Donc voilà, opportunité, soit faire radio et sur télévision, nous prenons pour Fin TV avec plusieurs plateformes, que le X, YouTube, que la pouée émission ça. Et actualité mondiale, là, par Haïti, abdominé par Affaires Éducation. Niveau mondial, on a ouvert l'école. En Haïti, nous avons débat, est-ce qu'il faut l'école là en septembre ou là en octobre? C'est pas hier que nous-mêmes avons fait bataille ça, font débat autour de l'éducation. T'es un ministre de l'Éducation nationale là, qui t'a pris la parole déjà, il t'a annoncé l'école le 1er octobre, mais il paraît qu'il y a quelques écoles qui décident d'ouvrir pour toi avant. Eh bien, le ministre a préagi ce semaine ça, entre les ministres. Moi, je viens de faire si parler avec nous matin sous affaire l'école là. Nous a fait éducation. Et à la papote, m'a dit nous, dans tout pays sous la terre, éducation sont bien communs. C'est-à-dire, c'est pas un bien privé qui n'a pas un grand monde, mais c'est un partage commun vers la culture, vers l'élévation, vers le progrès, vers le bonheur. Et dans ce sens, à l'école là, c'est la principale institution qui l'a pour véhiculer les idées, les progrès et la pensée éducative. Or, les Nabgade, orientation de l'école là, après un jour et jeudi, nous inquiets. Donc, nous obligés, ils font parler avec nous. Comme nous-mêmes, c'est relais, c'est porte-parole population, nous obligés de passer par nous pour nous faire un message là-bas. Nous connaissons l'école là, c'est le principal instrument, le principal outil qui permet à un jeune espérer gravir l'échelon dans la société pour gagner place. Place, il veut dire, il est enseignant, il est directeur de médias, il est directeur secondaire, directeur général, ministre. Mais l'école là, c'est ça. Mais l'école là, tout, c'est instruments qui permettent, qui favorisent le lien social. C'est-à-dire, l'école là, s'il pas existé, ça n'a pas l'éducation, pas qu'à exister. C'est ça que fait, dans la dernière prise de parole, pour être prêt avec nous en compagnie du Premier ministre, Dr. Gary Conny, moi j'ai lancé thème, ouverture de l'école là, ça, restaurer l'autorité de l'école. Ça veut dire. L'école doit être là pour véhiculer l'idée républicaine, l'idée citoyenne. Et comme garant, lien social, il doit au-dessus de tout intérêt partisan, de tout intérêt particulier, individuel, pour refléter ça, l'intérêt général. L'intérêt général, ça veut dire intérêt tout le monde dans la société, quelle que soit la classe sociale côté eux. Que on a une classe populaire, que on a une classe moyenne, que on a une bourgeoisie ou une classe et supérieure. C'est ça l'école là. Mais nous, là nous disons restaurer l'autorité de l'école. L'école là doit libérer de la pression du politique. L'école là doit libérer de la pression des groupes. Pour que finalement, même si nous avons bataille entre nous, mais si vous avez même une possibilité pour aller plus loin dans le rêve personnel, dans le projet. Et dans le cas de ça, il y a un problème de gouvernance qui pose. Le problème de gouvernance qui pose ni dans l'école de l'État, ni dans l'école publique, privée. Vous connaissez sous question gouvernance de l'école, c'est l'État. Aux États-Unis, en France, en République dominicaine, en Cuba ou ailleurs, c'est l'État. Question éduquer tout le monde, éduquer les jeunes, c'est l'État. C'est-à-dire, l'État parle, il faut l'État parler à bon sens. Or, là, nous posons un problème de gouvernance, c'est que chaque monde a fait par eux. Chaque monde a fait par eux. Par exemple, le ministère dit l'école a ouvert le 1er octobre. C'est pour éviter conflit entre
parents, élèves et directeurs de l'école. Mais nous apprenons qu'il y a des directeurs d'école qui défient l'État. Ils ouvrent l'école. Ils ouvrent l'école. Donc nous venons là pour nous dire, nous ne sommes pas capables de continuer à défier l'État. Dans le cadre du gouvernement de transition, ça, nous sommes là pour nous restaurer l'autorité de l'État tout, au travers de la restauration de l'autorité de l'école. Nous ne sommes pas continuer à défier l'État. L'État fixé, elle nous fait une pile d'analyse. Nous voyons que par rapport à la situation parents et élèves qui ont vécu ça, par rapport à la crise, effet crise sécuritaire, nous avons vu l'école, 1er octobre, ça a fait 188 jours de classe. Normalement, nous avons aller au-delà de 200-220 jours de classe. Et perte de quelques jours, nous avons compensé par des coûts de rattrapage, des activités parallèles, périacadémiques. Mais il y a un directeur de l'école qui ouvre l'école. Si l'État pas existé. Moi, je viens de mentir. L'État existait. Et il faut suspendre, craser tout le temps. Et là, nous dit ouverture de l'école, là, c'est le 1er octobre. Mais nous dit ouverture administrative, là, a fait 16 septembre. Ça nous entend par ouverture administrative. L'école ouvre porte, parents ont fini, à prendre des pliants, à prendre composition de classe, à payer ça pour payer pour l'école là qui démarre en octobre, qui a gagné contact avec professeurs et élèves, à des activités psychosociales, à des activités ludiques, jeux. C'est ça que nous entendons par ouverture administrative et académique. Et puis formellement, officiellement, l'école a démarré le 1er octobre. En plus que gen l'école qui ouvre, qui battait au droit et ouvre, là, défier l'État. Mais gen direction de l'école qui a demandé le COB pour tout le pays en Amérique. Ils ont demandé pour tout le pays au triplé frais scolaire. Ils ont fait tout le pays l'argent pour qu'il y ait place dans l'école que ont là depuis 7e, 8e, 9e. Et NS1, NS2, NS3, c'est pas normal. C'est pas normal. Nous venons de dire que nous suspendons, poser. Et dans ce sens-là, l'inspectorat qui a gouverné pour le ministère, qui est sur l'école, qui a fait contre-supervision, qui a fait supervision pédagogique, contrôle et de l'application des programmes et autres, l'inspectorat fait un mouvement par rapport à des rives. Pour différents niveaux, inspecteur de district, inspecteur de zone, inspecteur fondamental, inspecteur secondaire, etc. Là, inspecteur obligé d'instruire l'autorité centrale ministère de toute l'école qui est dans des rives là pour nous prendre les sanctions. Sanctions après aller de l'aide de blabla à l'école là, interdire et puis retirer licence l'école là. Voilà, nous entendons le ministre de l'Éducation nationale là, dans le gouvernement gariconien, M. Augustin, qui fait des déclarations fracassantes, on est capable de dire. Il expliquait réellement sa éducation. En pile pour le dire, pas de discussion. Ça, son bien public, mais son bien public spécial. Il y a un parti privé, un parti public. Alors, il y a un bien public et on est capable de dire parfois, il y a des acteurs qui vendent des services qui ne sont même pas publics parce qu'il faut payer pour ça. Le moment que Haïti retrouve là, la situation côté que l'avenir est mieux hypothéqué. Nous comprenons une solidarité pour nous gagner et pour nous capables de suivre ce qui a passé. Mais la gouvernance, là, et le ministre dit là, faut que le gouvernance lui-même est beaucoup plus intelligent. L'un des ministres qui a dit bon, il faut que nous parlions de l'école, il faut que nous parlions de l'octobre, pas qu'il y ait de l'école, pas qu'il y ait de l'école à plusieurs vitesses, pas de doute. Mais l'école à plusieurs vitesses, ça peut être existé, monsieur le ministre. En attendant, les pays ont fonctionné normal et que l'école Port-au-Prince a fonctionné. Est-ce que nous comparons l'école qui a fait la Port-au-Prince, la zone métropolitaine, avec l'école qui a fait semblant de citer nos communes bien déterminées, qui est située très très loin par rapport à cette côté capitale-là, qui n'est même pas toute facilité de guerre. Il faut que réellement nous réfléchissions sur ça. Il faut analyser la situation et la sécurité dans la Bible aujourd'hui, à partir de plusieurs écoles là, à savoir qui qualité de service qu'on a, côté gain d'électricité et côté panier d'électricité.
Ça, c'est très important. Donc, lorsque le ministre a dit nous que l'école va pas ouvrir avant, on est intelligent, mes amis. Est-ce que je suis obligé de pénaliser les gens qui sont situés à Chardonnière ou bien Pomago, si je cite nos amis, je mettais des communes très très loin, bombardé de police, parce que pendant que je ne suis pas à l'école? Il y a déjà, même si tu vas à l'école en même temps, qualité d'éducation. D'ailleurs, je ne vais pas parler de quantité encore. C'est la qualité de l'éducation. Qualité d'éducation que zone métropolitaine Bordeaux-Brest a gagné nettement supérieure à zone ça. Donc, il faut que réellement nous pensions à la très au sérieux. Nous comprenons que nous voulons protéger une partie, mais si nous pensons que nous devons faire, j'en dis là, le type de gouvernance, ça, c'est retarder tout le monde, comment c'est même l'heure, il n'est pas possible. L'école en Dominicane, c'est fait ou de ouvrir. Fait ou de. Donc, si vous prenez 5 semaines dominicaines par rapport à vous-même, parce que vous l'avez dit, c'est son petit victoire de il a été finalement ouvert l'école en Haïti en septembre. Et que nous connaissons que vous traînez puis vous pas vrai, pour jusqu'à ce que vous arrivez en octobre. Là. Donc, lorsque vous dites, il y a des gens qui, depuis 2020, la COVID, qui étaient dans le lycée, qui n'ont jamais été dans le lycée encore, non? Parce que depuis 2020, les choc pays apprennent. Les jeunes qui ont pour vivre, ils ont politique. Il y a des territoires perdus. Bon, c'est de question pour le presse. Tout le monde n'a pas qu'à l'école. Donc, est-ce que nous posons des questions pour Timoun Zahid? Est-ce que nous essayons de trouver trace Timoun Zahid lorsque vous retirez là? En tout, l'école privée, vous avez un avantage, bon, entre guillemets, par rapport à l'école publique là. Parce que parfois, même le professeur public là, il touche le public là, après, il prend l'air à l'alvoine dans l'école privée. Pas dit, non, mais moi, nous avons fait enquête, nous avons fait très bien. Il y a 12 mois à suivre le public là, après qu'on y a les 10 mois à faire encore le privé. La fait, ça n'est pas capable de grève le public là, il peut aller dans le privé. Donc, on croit que le ministère a un gros travail de recherche. Et je sais que vous connaissez bien, il y a capacité pour le monter en équipe multidimensionnelle pour faire recherche ça. Pour ne pas arrêter dans un très artificiel. Mais moi, je crois que si le ministre connaît qu'il y a un problème, il n'y a pas qu'à ouvrir l'école là, la public là, il faut que nous soyons capables même d'attirer tout le monde dans l'espace là, comme il dit que le début c'est le 16, le 15 septembre, il voulait ouvrir de manière administrative. Mais pour qui ça, tout le monde n'est pas capable de venir, même si par rapport au Paris, pour l'acheter le livre, pour l'acheter, pour ne pas qu'on ait payé. Ça, il y a pour le payer pour entrer à l'école là. Eh bien, venez créer un espace. Professeur de public, il a touché quand même, moi. Eh bien, fais des activités. Nous allons apprendre par contre aujourd'hui, dépenser l'argent, puisque le plus gros budget comme qui gagne le budget explicatif là, c'est le ministère de l'Éducation nationale. Il faut rectificatif pour lui. Eh bien, donc, il y a des bagages de supposé prévoir. Pour nous dire, on fait mois de septembre, non? Sans entrer pas obligé de louer que tout le monde parle dans la salle de classe. Et puis, mettez l'ambiance, mettez l'environnement, même si c'est pomme de faire dans la cour. Parce que nous pensons que l'école là coûte plus cher. Mon départ, que les petits mouns grec là, ça, ça a coûté par rapport à l'ouvrir les dans l'école. Pour les petits mouns, c'est l'âge qui m'a passé jeune. Ça veut dire, sauter de la fin, entrer dans le cas là, craser, si je veux nous bagailler, en frigidaire, réfrigérateur. Donc, c'est des bagailles pour nous penser, et j'ai un ministre de gouvernance là. Il faut gouverner ça, monsieur le ministre, il est capable de plus créatif, il est capable de plus innovatrice. Il n'est pas obligé à l'école là pour faire la même bagarre là, mais pour faire mieux que dans un espace l'école là. Et je dis à mes amis, moi, je n'ai pas un professeur anglais, peut-être qui est toujours dans la Britannique, depuis l'âme de l'école, il est toujours là. Sous-là, tu penses tout le monde au téléphone là, mais bon, un pour abonnement. Voilà comme c'est pour l'état dit pour abonnement fait mon avis on garde à partir de téléphone là mais c'est la parler d'alphabétisation d'un pays depuis 2000 oui c'est 24 ans oui soyez innovateur ne pas arrêter dans même l'école là et ministre connaît très bien gens que n'a fait évaluation aujourd'hui là son bluff lié pas rien bail de sérieux menez mon dans l'école là faire le mettez dans la cour faire amuser faire sport avec retirer dans la rue parce que dans la rue grand pile danger là-dedans. Après le ministre, il est vraiment sérieux de dire que l'aide de blâme n'a pas de problème. Bon, on l'aide pas rien du tout. Mais pour pouvoir le faire, mais retirer licence l'école, combien d'écoles publiques qui ont retiré licence là, là?
faut qu'on retire mon ouvre l'école yo. Mais pas qu'on l'école sérieux qui a vraiment formé tout le monde, ou pas retirer licence parce que t'as bâti mon appel de l'éducation. Non, ça me connaît que monsieur Augustin m'a prédit comme ça ou pas qu'arrive après ça. Il faut que réellement que le ministère de l'éducation nationale pas tête que tout pour notre réorientation. Faut innover. Faut créatif, faire l'école d'une autre façon parce que j'en ai fait l'école, j'aime déjà aller là dans ça par la mode encore. Je vous dis, il y a trop de facilité. Vous avez mettre un écran. Après, vous avez râlé YouTube. Comme c'est pour l'État lié, et bien, faut toute l'école, je vous dis, là, tu as accès à Internet. Mes amis, Starlink, entrez dans l'école qui est pile ou pour que tu me viennes là. Vous n'avez pas besoin vraiment de professeur anglais. On n'a pas besoin de guide qui va déposer par ça. Si tu me apprends une langue pendant moi, quel t'es anglais, quel t'es espagnol, qui est léger, mettez l'ambiance pour que vous fassiez discussion avec vous et t'appelez à tout. Même votre serviteur, si vous me dites que vous avez enregistré pour nous, je vais faire gratis. Je vais mettre nos vidéos, passer dans l'école pour que vous entendez nos paroles. Mais cette histoire pour nous faire moins que 200 jours l'école, là, eh bien, hypothéquer l'avenir du pays parce que le capital humain n'est pas compétitif. 6 semaines que les Dominicains fait soit haïtien, et 6 semaines, bien qualité là-dedans, avec ou même qui a commencé en octobre, les Dominicains a pas tout. Et l'arrivée en Dominicani, et bon, même si on va le faire, on va l'enchant. Les Dominicains lui-même, il va le cerveau. Il faut bien ça qui sérieux, mes amis. Donc, je pense que tu as plus d'émotion dans l'intervention du ministre de l'Éducation. Hein? Il faut que le tafond baisse, rencontrer avec le directeur de l'école, rencontrer avec l'école publique et tout. La parler de 1500 gouttes pour payer. 1500 gouttes là, c'est $11. Donc, si on dit directeur, c'est 1500 gouttes. Fais l'école gratuite, sauf que mais on y a là, subventionnel au niveau de budget. Est-ce que vous avez ça? Voilà la réalité. Je donne le ministre après dans le tout, qui est normal, pour faire prix l'école qui a monté. Ça, c'est une bataille m'a mené depuis longtemps avec le parlementaire qui a besoin de fixer prix l'école. Et monsieur le ministre, vous faites partie du problème. Parce que qui est-ce qui pourrait résoudre le problème de l'inflation? Ce n'est pas directeur de l'école, ce n'est pas parenté de non? C'est dans le gouvernement, pour ça fait. Donc, l'inflation en juillet, 30%, qui vient de tout le bagage monté, si nous avons l'école, après, nous avons dit que nous n'avons pas le droit d'augmenter le prix pendant que nous n'avons pas contrôlé l'inflation ou même le gouvernement. Vous avez fait? Si vous avez mis l'inflation, vous avez dit mal bataille. C'est Haïti qui m'a joué au Brésil, vous avez dit Haïti pour le pire. Pas possible, mes amis. Ni démagogique. Et je connais un bon crédit ou bon populiste. Mais ça, c'est des bagages populistes. L'école capable gratis. Les États-Unis, ils font le gratis, mais il y a des moyens pour ça. La France, il gratis, il y a des moyens pour ça. On apprend toute l'école la gratis. Mais lorsque, dans le sud, après tremblement de terre, on va pas mettre en lieu là en 2024, monsieur le ministre, une l'école qui ont plus gros symbole le département sud là où il s'est fini de guerrier de caille à regarder là qui vont dire le travail. Donc on n'a pas besoin de parler de l'autre l'école, on n'a pas besoin de citer nous. Si lui c'est ça qui nous symbole de, qui centenaire, nous n'avons pas capable de même reconstruire. Après là, dit que oui, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça. Remettez tout le monde ça là pour ne pas le faire laisser frapper. Ou va retirer une licence, ou va ceci, ou va cela. Quand il y a pendant que Timon est à la caillou, il y a un petit sourire, mais je au cas dernièrement. Imaginez à minuit, le championnat de football a fait dans la rue. C'est une des Timon qui a besoin. Quand vous voyez à minuit, quand vous football dans la rue, j'ai un garçon qui est dans la rue, Timon est autour de lui-même. Bouteille, plate. Il n'est pas possible. Il faut qu'une première la pire au sérieux. Il faut qu'une fasse des enquêtes. Il faut qu'une avance nous sire. Lorsqu'on pense à un problème, yo, vous faites une recherche ou jouez. En même temps, les République dominicaine fait semaine ça, pendant l'école, il y a ouvert. Tandis qu'il y a une enquête qui est faite, pas par le ministère de l'Éducation nationale en République dominicaine, par le ministère de l'Économie en République dominicaine. Entendez ça. Parce que l'intérêt, c'est un pile. Parce que l'espace qui fait étude là, et qui fait une série d'informations, il y a la frontière Haïti avec la République dominicaine. Elias Pina, a essayé de remettre côté ça, Elias Pina,
le plateau central qui est connecté avec Belader. Ils font une enquête, ils voient que indicateur alarmant le système éducatif dominicain. L'école est ouverte en outre, mais attendez comment que Dominique travaille sur bagage sérieux et non pas faire démagogie. Je dis en termes généraux, système éducatif, la République dominicaine, qui a voisin, a fait face à de gros défis et en pile. Mais bah, c'est au plus grave la province qui se zone frontalière. Il faut me dire que côté plus pauvre République dominicaine, c'est zone frontalière. Il faut chercher espace province qui est plus riche, qu'on passe Santo Domingo, la Romana, ou à Santiago, mais frontière, c'est zone qui est plus pauvre, donc qui suppose intéressée. Parce que si vous avez un espace qui est plus pauvre, qu'il y a pauvre, qu'il y a pauvre diable, vous avez un petit éclatement qui est capable de faire. Qui ça vous joue comme résultat? Vous jouez que il y a un grand écart la fait couverture scolaire là, la zone frontalière par rapport à respect. Vous jouez également abandon scolaire, si moun ki pa fin l'école. Yo jwenn également sa ou les surage, le ti moun ki pa l'année qui était supposé yo. Et ba sa ou très prononcé dans zone Elias Pina, c'est là des indicateurs qui pi alarmant et presque sur toute zone frontalière là, yo retrouvé ba ça. Donc yo di province, alors rappelez-vous, c'est le ministère de l'économie qui fait étude ça. Province Elias Pina indiqué des indicateurs alarmants, j'aime dire nous. Et parmi toutes régions qui ont été dominicaines, parce que c'est là qu'il y a la plus grande nécessité d'intervention urgente, l'affaire éducation. Et pour être capable d'améliorer, il faut investir beaucoup plus dans l'école au niveau de la République dominicaine, particulièrement au niveau frontière. Il dit que Elias Pina, c'est province dans le pays, quand il y a plus mauvais résultats, il y a quelques indicateurs statistiques, ça, c'est des bagailles que vous collectez pendant la période 2022-2023. Par rapport à l'abandon scolaire, toute province dans la zone frontalière, il y a cité, Pedernales, que nous connaissons, qui est zone sud, Monte Cristi qui est en Bahouko, nous connaissons Bahouko, qui est un petit peu, puis Pedernales, Dabon, et Santiago Rodriguez, c'est la plupart des provinces qui sont sous la zone frontalière. Il faut me dire tout. Il y a des haïtiens qui traversent les frontières les matins à l'école là. Donc voilà que on a quitté parce que pas rien d'école beaucoup trop là. Et Dominique qui a accepté de monter traverser les frontières à l'école là. Mais malheureusement, il est connecté sur partie qui baille éducation qui est plus mauvaise en République dominicaine. Il est estimé la zone ça frontalière là, il y a 126 000 élèves qui distribuaient sous 698 l'école. Mais débat pour nous faire dans le pays d'Haïti, à savoir statistiques scolaires, population. Il faut que chaque année, nous connaissions combien de monde qui l'école, combien l'école qui gagne, combien de monde pas. Bon, tout ça est important. Combien d'enseignants gagnent, combien d'enseignants par élève, combien d'élèves ne veulent pas enseigner par nous. Donc, Elias Pina retrouvait la comparaison de l'autre localité qui est la République dominicaine avec taux d'abandon qui est plus élevé en pays. 8,3%. Au niveau national, 4,8%. Elias Pina 8.3. Qui voulait dire que ti Dominicain qui a changé avec Haïtien au niveau zone Bella de Elias Pina, donc nous on est capable de vivre là. Parce que le ti moun a abandonné, il est exposé à n'importe qui bagay négatif. Donc abandon scolaire estimé que son phénomène qui est complexe, il y a plusieurs facettes. Parce que c'est faible rendement académique, c'est problème économique, on n'y a pas qu'à payer l'école là. C'est manque d'appui du gouvernement, donc nous sommes capables déjà qui problème que le poser. Le département sud là a estimé que 8,2% petit garçon qui t'a supposé l'école qui pas de quelle éducation. D'ailleurs, nous regardons 8,2% ça combien cap évolué de façon migratoire qui sorti dans grand est qui sorti dans sud là cap venu suivez mon regard du côté de Gravine. Si nous faisons une enquête là, là pour que les gens ne sortent, des gens parfois qui abandonnent l'école parce qu'on ne peut pas avoir moyen tout. Et bien, ils ne veulent pas aller à l'école là. C'est moi qui ne pas gagner. Donc là, on va partir attention, pas ministre d'éducation, des autorités haïtiennes, sur l'importance de l'éducation
qui lié aujourd'hui à ça le capital humain, qui parle bon ça les productivité et qui parle bon un pays beaucoup plus compétitif. Donc nous voyons qu'il y a éducation avec économie d'ailleurs, étude là c'est pas ministère éducation fait la République dominicaine, non, le ministère de l'économie fait étude ça. Ouais, comment on y a réfléchi? Pendant nous même n'a pas parlé de retirer licence, de fermer l'école parce que l'école fait ouverture bonne par rapport à l'autre, mais là qui niveau? Parce que estime que malgré tout petit monde à l'école depuis on n'a pas parlé le fait que tout monde dans l'école là sont pas cap bon en quelque sorte. Donc mes côtés que pays arrivé et là nous voyons bah résultat ça 7% de croissance chaque année et que Dominicain a privé l'on a fait de pays émergents puis et oui cap sorti là diminuer pauvreté là. C'est des réflexions solides qu'a fait. C'est pas des batailles qu'a fait entre monde pour éducation et tel type pas tel type, c'est réflexion mettez tête ensemble. Puis loin dans l'étude là l'analyse yo fait, yo dit le taux de surâgé qui mesurait étudiant qui élève qui en dans l'école là, le niveau éducatif là inférieur parce que yo retrouvé que l'âge ti moun yo surâgé ça lié son ti moun qui était supposé bon l'époque pas mettre des certificats moun comme c'est même genre encore que ti moun ça t'a supposé le 4e secondaire après qu'on y a les retrouvé le certificat qui 3 ans dans classe ça. Donc ça y a gardé niveau usage là tant au niveau primaire qu'au niveau secondaire en République dominicaine problème n'a posé m'a appelé pour nous toujours ça rapport étude ça bail et c'est ça pour commencer à réfléchir parce que choc nous se prend là pendant 6 dernières années ou là pas fait quoi ça c'est économique dans le pays là choc nous prend là un paquet de monde qui connaît les écrit qui a parti ça les fuites de cerveau il faut penser à l'éducation haïtienne pas on laisser frapper est-ce que l'école ouvert est-ce que l'école pas ouvert problème plus grave concept l'école ouvert pas l'école ouvert et qui est là pour ouvert et si tout le monde commence même là donc il faut connait que défi aggravé la pauvreté frontalière et il dit comme ça que il reconnaît que depuis 10 ans il a fait de grands efforts dans l'éducation et puis dominicaine. Je ne vais pas rappeler tout, même quoi que Dominicani m'a dit, est-ce que son loi, est-ce que c'est la constitution, il mette 4 à 5% budget puis dominicaine supposé aller dans l'éducation. Ouais, on ne connaît pas l'éducation. Donc, si vous avez un budget de 100 milliards de dollars américains, il faut retirer 4% de 100 milliards là, automatiquement, le PIB, je ne sais pas si le budget, parce que le PIB a plus gros que le budget. Le budget dominicain peut être plus de 20 milliards, mais il prend 4% de 100 milliards pour m'aider l'éducation. Et entendez ça. Il fait des efforts significatifs dans l'aspect tel que le budget qui est plus élevé, malgré que le budget notificatif, là, c'est l'éducation numéro 1, mais c'est 34 milliards de gouttes seulement que le gouvernement gagne dans l'éducation. 34 milliards de gouttes, pas qu'à résoudre le problème, ça n'a pas de là-dedans. Il augmente le budget pour étudier le système d'éducation. Et tenez bien, il a distribué computer dans l'école. Parce que l'école, il y a plus que 20 ans de dans le pays. L'école n'est pas capable de faire avec tableau, avec la craie encore. Le tableau, 20 la tableau, 20 calcul. Ça prend un tableau blanc avec un computer, professeur a dessiné. C'est ça dire l'alphanétisation. Si le gouvernement était là à l'époque, là. Comment c'est travail ça? Tu fais politique publique. Je dis, c'est pas facile. Nous mettons les gens dans l'école, même si nous n'avons pas de professeur pour nous payer. Je dis, c'est pas grand-temps ouvert l'école parce que le computer t'a permis que les gens soient capables de faire discussion entre eux-mêmes et qu'on guide dans l'école là. Donc, l'école dominicaine fait avec computer d'après ça. Et tandis également, il fait effort pour augmenter le salaire professeur parce que si vous ne payez pas professeur bien, si le professeur fait plus comme la conduite motocyclette, hey, il y a un choix de faire la motocyclette là. C'est fini, je dis, on a quoi le ministre d'éducation a parlé là des affaires d'éducation. Est-ce qu'il connaît combien professeur parti le Biden? Il connaît qu'est-ce dans la déclaration. Donc pourquoi pas prétendre mois d'octobre et monsieur le ministre d'éducation. Après mois d'octobre pas même professeur pour aller là non. Biden a relancé là et peut-être ballon gros booster là jusqu'à janvier avant Biden aller. Alors professeur Yoshida en dans la salle de classe première là. Donc on croit que faut ministre ta fond étude fait enquête fait même ça n'est pas capable de brûler toute une recherche totale pour garder la qui est à l'éducation noyée là pour là. Donc, augmentation salariale des professeurs, construction de nouvelles salles de classe et
nous conclut pour dire que résultat mandé implémentation action au niveau de territoire pour qu'à répondre à chaque district éducatif qui gagne en République dominicaine. Pour faire ça, selon l'étude là, il propose que gagne des programmes et des projets avec objectif pour améliorer les résultats éducatifs là sous territoire. Un programme pour garantir couverture minimale éducative là. Un programme d'appui à l'employabilité et à la technification de développement humain dans la zone frontalière là. Un programme pilote pour amélioration des résultats éducatifs. Donc, nous allons laisser frapper aujourd'hui à qui l'école a prouvé, mais à qui ça Dominique a réfléchi lui-même. Il a réfléchi à frontière là, parce qu'il faut enquête pour voir que ces zones là que capital humain est plus faible. Et nous, même l'intérêt, c'est nous. Parce que si capital humain est plus faible là, donc qui veut dire que le monde ça est capable d'attirer vers des choses drôles. Et comme beaucoup de panneaux nous déjà ignorer frontières, donc si bon combinaison fait entre deux groupes ça qui abandonnent l'école, pas aucune opportunité, et pas ça le dernier, mais comme ça qui dit nous, qui cocktail qui est là, donc les habitants n'ont pas l'empile, la cocktail ça a déjà existé là, parce que frontières nous connaissons tout le monde traversé là-dedans. Donc nous, qui facilite pour ça réaliser? Donc nous devons attirer attention sur l'étude ça qui est faite en République dominicaine par le ministère de l'économie pour garder la situation éducation dans le pays. Donc nous-mêmes, par ici là, faisons une enquête nationale parce que nous connaissons très bien la bataille de menti. Résultat baccalauréat pour le bail là, résultat levier manique pour le bail là, il n'est pas pour refléter ce qui a passé dans l'éducation dans le pays d'Haïti. Et nous, qui indicateur que utiliser pour évaluer ce qui a passé dans l'éducation? Abandon scolaire. Donc c'est la qualité de l'éducation. Et en tant que plus abandon scolaire, ça veut dire que c'est plus facile pour le recrutement qu'a fait côté gang. Je ne pas aimer, M. Augustin, je n'ai pas de respect pour vous aujourd'hui. Pour mon dame, je ne sais pas si vous avez ça sur Internet, vous avez tout qualité par vous. Ah, il a fermé l'école dans le pays d'Haïti. Eh bien, il a pouvoir, je ne pour que plus de monde dans le pas oublier, pas de prison, non, je dis à la Port-au-Prince. Prison, donc il est allé là. Donc, on pose des problèmes d'éducation hein, de manière beaucoup plus sérieuse. Mais estimez que ce n'est pas simplement l'éducation liée à l'économie, parce que nous avons une croissance économique à chercher, capital humain pas lié. Mais j'aimerais me dire là, l'éducation est une chose trop importante pour la laisser aux éducateurs. Crise ça, qui est ouvert là, laisser frapper ça que parle là, a fait. Fermer l'école pour que tout le monde aille à l'école en même temps, que je pense que c'est pas un bagage qui est normal. Au contraire, ça qui pas aller, c'est pour nous faire une petite place pour eux. Et moi, de des écoles privées, qui sont capables de garder même, dit ministère de l'Éducation nationale, même quand on prête l'espace là, pour faire examen, eh bien, dans un moment spécial, ça, si l'école travaille matin, eh bien, dit ministère, en fait, en tant m'a permettre pour capable de bénéficier l'après-midi. Dans la zone qui n'est pas fréquentable. C'est comme ça que nous avons essayé de réfléchir. C'est la construction, ce n'est pas faire de laisser frapper, faire d'augmenter ceci, augmenter cela. Moi, dis-nous, comme répéter pour nous, cette histoire qui a reproché le directeur d'école pour faire, ça n'est pas capable de brûler, courir pour élever. C'est le ministère qui, pour gagner un dans la caille, ça n'est pas capable de brûler. Il y a une unité d'économie, parce que ça existe, l'économie de l'éducation, qui pourra faire une série de calculs, qui pour garder d'ailleurs, ministre, vous supposez gagner données IHSIO pour garder indice des prix à la consommation, l'augmentation de 30% et que l'école va ouvrir en septembre, eh bien, si l'école privée n'a pas pour justement pour professeur, pour enseignant, alors on s'est bien gardé comme ça, sous salaire de garder dernière. Si l'école là, pas de courant, je veux dire, on va obliger pour investissement, pourquoi pas l'école là, on va faire l'école sans pouvoir, je veux dire, et mais qui l'école va faire là? Si l'école là, pas de l'eau, tout ça, l'on va l'acquérir. L'école va dépenser l'argent même dans n'importe quelle entreprise. Donc, si vous n'êtes pas capable de garantir que le coût est fixe, après vous dire non, il faut que l'on soit fixe, eh bien, ça passe. La femme de l'école, elle fait un bail dur. La pétanque de l'école, elle fait un dépôt dur. Donc, en sérieux, ce n'est pas aussi simple. On ne peut pas faire avec émotion, pas faire avec populisme, parce que vous avez dit, ouais, ministre, il a raison, ceci, cela, ouais. L'école est trop chère vraiment. Non, il faut que réellement on calcule qui fait le ministère
pour regarder évolution quoi et évolution prière. Certainement, dans quel que ça s'allie, quel de la police, quel de l'éducation, quel de la santé, il y a une qui mauvaise affaire, qui va besoin profiter de ça pour ajuster pour là. L'essence qu'on a retiré, c'est lorsque qu'on y a au fin ajusté pour regarder les variations coût, ça veut dire coût unitaire là, avec revenu unitaire là. Donc si l'école là, on mange après qu'on y a, c'est gros business qu'on l'a fait, pour gagner noir, pour ça que ce soit lui-même. Mais on ne peut pas arrêter pour nous dire, ouais, il y a fait là, il y a fait ceci, il y a fait cela, et tu vas répondre de l'acheter. Donc c'est tout élément ça pour nous. On gagne droit comme régulateur, gagne information, analyser la body, mais prier, après discuter avec l'école là pour dire, donc, regardez les unitaire là, ou regardez revenus unitaire là, après, mais ça réalise. Maintenant, au niveau de la caillou, si vous voulez qu'il y ait à 1500 gouttes, pas de problème, nous, quand il y a 1500 gouttes. Mais ça, vous allez obliger vers ça. Vous allez obliger subventionner l'école là beaucoup plus. Est-ce que vous avez comme ça? Pour arriver à l'école publique comme ça. Mais moi, quoi que, d'abord, que l'école publique n'a pas payé un centime, parce qu'il y a tant que plus pour l'école, et puis pour vous-même. Écoute, vous avez une comme là. C'est tout problème ça pour nous poser et pour nous capable tête frette pour nous connaître que les affaires populistes ouais on fait l'école bon marché on fait l'école gratis à vous pas bailler comme là parce que moi m'a regardé l'état que sud là toute l'école qui était écrasée pas grand rien fait là les plus fort était même genre donc c'est ministère éducation ça pas même faire construire l'école à vous pas nous fermer l'école non soit au sérieux et moi crédit pour ça m'a pas quoi privé dans pour ça pour que nous capable une véritable crise parce que crise ça pas pour aujourd'hui à nous c'est la 5 10 ans si moun ki ti soi-disant wap ba ou avantage là après coûter très cher nous est ça populiste de droite comme de gauche pendant 30 dernières années en pays nous fait ça bien nous sorti nos populistes de gauche nous avons populistes de droite et nous comment pays aille en rationnel en fait barre la tête frette rencontrer avec parents yo rencontrer avec directeur l'école yo on commence l'école là le plus tôt possible et si que ti moun lycée pour ka aller. Mais moi, je suis prêt pour me porter pas là-dedans. Je ne vais pas aller à toute l'école. Mais souvent, des mines font qu'on soit fait bon, il y a un bagage technologie à pouvoir passer dans l'école là, avec plaisir. Et c'est comme ça pour un vrai problème là, parce que le problème, ce n'est pas vraiment ce qui se passe aujourd'hui, mais pour nous garder l'avenir des enfants, des générations futures, en quelque sorte. Voilà, nous espérons que l'émission était assez riche, nous faire plus de sujets aujourd'hui. Et c'est comme ça que nous devons faire chaque semaine. Pour nous permettre que nous sommes capables de réfléchir de manière sérieuse et remettre le pays sur une voie de développement réel. Ciao, à la semaine prochaine.